Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est avec un pile plaisir nous rejoignons sur le plateau télé Anacaona. 38.5 Orlando, 18.7 Miami, 11.3 Port Saint-Lucie pour nous porter pour vous un nouveau numéro TATV Sport pour ce maintenant. Pour faire ça rentrer la caillou, c'est grâce à support toute équipe là. Coordination technique dans Miami, Sony Bellenforme, Orlando Lindy Ménard, maquillage Varda, réalisation ingénieur Kaby Léveillé, présentation votre serviteur Telva Blanc. Rapidement, mais quelques points qui vont faire essentiel TATV Sport pour jeudi. On va continuer à parler de la sélection nationale haïtienne masculine senior qui a gagné pour jouer Ligue des Nations de la CONCACAF à partir du mois de juin prochain, si Dieu veut. Et puis, CFU Championship, Violette à Kakaye, c'est deux représentants Haïti dans la compétition qui a fait du côté de la République Dominicaine. Sortie 13 pour arriver fin de mai prochain, si Dieu veut. Nous pourrons le gagner pour nous parler également de Madame Gougous Haïti Cup qui a touché à fin très sérieusement puisque grande finale la prévoit pour dimanche 15 mai prochain, si Dieu veut. Nous pourrons parler de basketball NBA hier soir. Équipe Miami Heat bail une véritable leçon à Philadelphia des 76ers. 35 points d'écart et Miami prend de sérieuses options quant à qualification pour la finale de la conférence Est. Et puis, en football, Inter de Milan remporté Coupe d'Italie après-midi face à la Juventus de Turin, score final 4-2. En Angleterre, tu as gagné un match en retard de la 33e journée, écrasante victoire du Manchester City en déplacement sur le terrain de Wolverhampton, 5-1, dont un quadruplé de Kevin De Bruyne, Manchester City qui, du même coup, reprend 3 points d'écart sur Liverpool à 2 journées de la fin. C'est tout pour ça, avec un pilote, nous allons débattre pour vous, pas déplacer, nous juste propose, nous rejoignons dans quelques instants. Après un hiatus de plusieurs années, Zeklé et Musique Musique résurgissent aux côtés du groupe Zenglin et sur l'invitation de PHM et Touchem 12, Gary Sylvain Electric Crew, Sira 50 pour une soirée nostalgique. Le vendredi 29 juillet de cette année, Tatiana Nightclub sera le théâtre d'un événement unique. Zeklé, Zenglin, Musique Musique, sous un seul podium. Halftime, DJ Paz, DJ FM. Zami, pas qui jouer à pile ou face. Si vous voulez faire rêve l'amour, ça pour nous faire songer qui moun nouye. Don't let go, tant que yon roi, campé de guerre sous yon KO, jouer coin, pas faire grève bébé, parler bien, faire des jeux thèmes farinés pendant à chanter l'amour ou à jouer un résultat. Et puis nous toutes belles, Zekle, Musique Musique, Zengle, vendredi 29 juillet dans Tatiana Night Club, 17-10 East Allendale Beach Boulevard. Patronné par magistrat Philippe Yeneme, Primary Care First Class Télé Anacaona, Radio Télé Caraïbes, Impact FM, Groove FM, AC Radio, Island TV, 1320 AM, 1580 AM, 99.5 FM. Réservez à nous dans 786-357-95. 58 786 277 10 93 Haïti 37 73 14 43. Palmiste Film Production présente la 5e édition de Soirée Lumière le dimanche 10 juillet à 7h du soir au Performing Arts Theater 170-11 Northeast 19e Avenue, North Miami Beach. À ce rendez-vous, vous aurez l'opportunité de rencontrer toute une pléiade d'acteurs et d'artistes de renom qui viendront de toutes parts pour des prises de photos en votre compagnie. Et comme ils ont fait votre bonheur pendant des années, ils méritent bien votre présence à cette cérémonie où le fameux chanteur B.I.C. sera particulièrement honoré pour sa riche contribution à l'art musical haïtien. Au programme, le groupe Supremacy, Rolex et sa guitare, Muriel Création qui présentera une exposition en vente et bien d'autres surprises qui vous émerveilleront. Pour clôturer cet événement, Jean Gardy, bien-aimé, vous offre un spectacle cinéma à nul autre pareil. Oui, le réalisateur à succès va projeter à l'écran ses 4 derniers bijoux dans une série intitulée « Une autre thérapie ». Épisode 1, Jésus le défenseur béni qui nous dit si bien «
que seul en Jésus tu peux être bien gardé, car il est fidèle et compatissant. Épisode 2, femme source de vie. Oui, femme pure merveille, espèce incommensurable. Épisode 3, on se marie pour la vie. On se marie pour la vie, même si des fois c'est au prix de sa vie. Épisode 4, la femme de Sabala et son ami Michael. Une femme mariée peut-elle entretenir une saine amitié avec un homme qui n'est pas l'ami de son mari? La réponse à cette question, le dimanche 10 juillet à Soirée Lumière, qui promet de vous régaler au North Miami Beach Performing Arts Theater. Admission $30, VIP $100. Achetez-vous. Télé Anakaona, Radio Télé AC, Delva Calcio Bomboule. Nous retournons après pause là, mesdames et messieurs. Nous avons appelé une autre fois encore. On va suivre TAT TV Sport avec votre serviteur, Delva Blanc. Nous avons très rapidement dans le développement d'informations. J'en ai annoncé, nous avons continué à parler de la sélection nationale masculine senior qui a gagné pour disputer Ligue des Nations de la CONCACAF, Ligue B, dans le mois de juin qui a venu là. Donc, sorti 2 pour arriver 14 juin prochain, si Dieu veut, Haïti pour aller jouer contre Bermude, Montserrat et puis Guyane anglaise. Nous rappelons, équipe haïtienne, non, trouvée dans le groupe B avec Bermude, Guyane, Montserrat, groupe A c'est Cuba, Guadeloupe, Antigua, Barbade, groupe C Trinidad et Tobago, Nicaragua, Saint-Vincent et Grenadine, Bahamas, groupe D Guatemala, Guyane française, République dominicaine et puis Belize. Donc, premier match, sélection nationale là, prévoit pour le 4 juin prochain, si Dieu veut, du côté de Bermude. Et puis, Haïti a joué deuxième match là, contre Montserrat le 7 juin dans le stade olympique Félix Sanchez. Et troisième match, sélection nationale là, c'est contre Guyane anglaise le 14 juin prochain, si Dieu veut. Nous rappelons, vainqueur, groupe Sayo a qualifié directement pour la phase finale de la Gold Cup 2023. Nous avons quitté le dossier sélection nationale haïtienne senior là pour nous parler maintenant de Flow Caribbean Championship qui a fait du 13 au 22 mai prochain en République dominicaine. Haïti gagne deux représentants, Violette qui a remporté dernière édition championnat national première division nous sommes j'étais faite en 2021 donc depuis le Zabari championnat national dans pays a et puis formation AKR qui a remporté série clôture 2021 donc nous comprenons ça donc Cavalli et c'est les mêmes avec Violette qui pourra représenter Haïti et bien équipe Violette là trouvée dans le groupe A avec Cibao Football Club Cavalier Sportif Club de la Jamaïque. Tandis que AKR trouvé dans le groupe B avec Atlético Vega Real de la République Dominicaine et puis Waterhouse de la Jamaïque. J'en ai dit là, tournoi ça a démarré vendredi 13 mai et en République Dominicaine. Violette va jouer contre Cibao Football Club. Cibao, c'est l'équipe de Charles Erol Junior alias Blanc Solo. Donc Cibao c'est champion en titre du championnat dominicain de football. Et puis AKE a joué contre Vega Real. Donc tous deux matchs a fait vendredi 13. D'abord AKE a joué à 5h de l'après-midi contre Atlético Vega Real. Un peu plus tard, soit aux environs de 8h, Violette Athletic Club a affronté Cibao Football Club. Et puis le 15 mai, équipe Violette Lan a joué contre Cavalier Sportif Club de la Jamaïque. Un peu plus tard, AKR Football Club a joué contre Waterhouse de la Jamaïque. Également, deux premiers dans chaque groupe ont qualifié
pour les demi-finales et vainqueur tournoi a qualifié directement pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Côté nous allons gagner le gratin du football de la CONCACAF au niveau des clubs, puisque équipe mexicaine, à présent, équipe américaine, canadienne, pour nous citer ça seulement, sans oublier, équipe qui a sorti Costa Rica, qui a sorti Honduras, pour capable, en quelque sorte, faire un gros tournoi, un tournoi de haut niveau. On a rappelé que Akaye Football Club a déjà participé dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Objectif violette et en carrière. Pas changé, c'est arriver le plus loin possible dans le tournoi ça. Et pourquoi pas décrocher le titre, ensuite participer dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Je souhaite bonne chance, bon succès au Violet Athletic Club, le vieux tigre, le doyen des clubs de la République d'Haïti et en carrière. Football Club qui va gagner trop longtemps depuis que le club a pris naissance, mais qui rentrait dans le football haïtien. Tout grand monde, puisqu'il a déjà remporté le championnat national, il a remporté le CFU, il a joué la Ligue des champions de la CONCACAF déjà. Et puis il faut que nous rappelions une fois de plus que le Violet a remporté la CONCACAF, c'était en 1984. Donc Violet, c'est le deuxième club haïtien qui a remporté la CONCACAF des clubs. Avant, c'était le Racing Club haïtien et ensuite le Violet Athletic Club. Une autre fois encore, bonne chance, bon succès au Violet et à la formation du Cavalier de alors Akaye Football Club. Alors pendant notre cité Cavalier, hein, donc nous disons Cavalier de Léogane a fêté 47e anniversaire de naissance li. Et Cavalier a remporté CFU Championship la saison dernière là. Nous sommes été qualifiés pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Malheureusement, Cavalier a été disqualifié parce que tout simplement, le consulat américain n'a pas de visa à jouer Cavalier pour faire voyage et jouer contre New England Revolution du côté de Boston. Donc, nous sommes bagaille ça et Cavalier a allé en appel. Donc, n'a pas tant résultat pour nous connaître comment ça y est. N'a quitté CFU Championship pour nous parler maintenant de Madame Gougous Haïti Cup 22e édition qui a franchi pratiquement dernière ligne droite puisque grande finale là a fait dimanche prochain si Dieu veut dans notre Miami Stadium entre Shark Football Club de Gariboville et 117 football club du coach Pouchon. Le dimanche passé, tu as gagné un match de classement pour 3e, 4e place. Violette, tu as gagné équipe Del Ria, 1 goal à 0. Après match là, nous avons gagné possibilité de parler à Guéry Romont, le valeureux portier du Violette Athletic Club. Mais Guéry Romont, tu as exprimé d'une part, joie le fait que Violette termine troisième, mais d'autre part, déception le fait que Violette pas arrivé qualifié pour finale et fait back-to-back là. En côté Guiri. Arrivé en finale, parce que son finalisme est côté passé, toujours en vie de finale. C'est ça qui est arrivé, je ne pas arriver, je ne finale là même. Je ne suis pas en troisième, je suis en petit finale, je suis obligé de prendre. Vous êtes champion quand même. Quand même. Eh bien, Guiri, 22e édition finie, rendez-vous pour l'année prochaine pour Violette. Est-ce que fanatique Violette, yo, téléspectateurs, télé Anakao, radio, télé Mélodie, capable d'espérer ou guéri l'année prochaine en bagage et Violette là. Bon, même ça, parce que Violette, c'est moi-même, mais ça c'est Violette tout. Parce que pour Violette à faire, nous toujours là, parce que je suis en collaboration avec l'équipe là. Nous sommes un homme qui parle à jouer, qui a cherché un joueur pour Violette. Nous sommes un joueur, mais qui est un supporter tout par rapport à des relations avec lui. Parce que je n'ai pas de relation pour prendre moi économique avec le monde, mais relation avec le monde. Parce que tout ça, je cherche, nous pouvons aller quitter tout. Et bien, relation avec le monde, nous avons toujours bien. On continue. Même si
au fur et à mesure, nous n'avons pas de photo à 90%, mais nous avons l'air capable de photo dans le mais en dehors de Madame Koukou, ça va avoir un projet dans la question football, bon, ici, à même Jagana, Coach Togo Vert et plusieurs autres éléments très importants qui jouent un rôle dans le football haïtien et qui immigrent ici aux États-Unis pour le moment. Bon, jusqu'à maintenant, on va parler là, et vous parlez des staffs et Coach Choto, Coach Ghana, c'est le même staff qui va parler parce que Pierre Womon en staff là, qui a fait partie de l'information avec Gardien. C'est moi-même qui suis en charge qui a préparé et Gardien l'État Haïti. Très bien. L'Académie l'État Haïti, la compétition et bien sûr là qui a joué là. Et jusqu'à maintenant, on a fait travail là, on a fait et depuis nous là, on a porté la main fort avec football haïtien pour la donner là. Merci Thierry, c'est ton plaisir. D'accord, merci. Voilà, madame, malheureusement, dimanche. Roman, coach du Violet Athletic Club, je nous dis hein, qui était exprimé joie parce que Violet a gagné Delry 1-0, mais d'autre part, il regrette le fait que Violet va arriver en finale et que Roman a profité. Eh bien, bah, nous, petite information ça concernant la participation ou encore intégration dans le staff technique Little Haiti Football Club. Donc, si coach Ghana, coach Choto Beauvais, Moïse Derivoire a entraîné différentes équipes qui gagnent l'académie ça. Par contre, Gay Roman, c'est coach goalkeeper académie Little Haiti. Nous souhaitons Gay Roman bonne chance, bon succès dans nouvelle tâche ça même genre. Nous souhaitons coach Ghana, Toto Beauvais, Moïse Derivoire et tout encadrement Little Haiti. Bonne chance, bon succès puisqu'il a participé. Donc, gros compétition. Et puis, j'ai noté dit tout à l'heure, Cavalier de Léogane a fêté 47e anniversaire fondation. Nous profiter, souhaiter joyeux anniversaire à staff, joueurs, fanatiques, Cheval Rouge, Léogane. Et puis, il y a notre ami frère, confrère de Magic 9, Légu Peterson, qui a célébré un nouveau printemps hier. Et puis, jeudi, il y a Pierre Charles, alias Bateau, Télémasters, qui a fêté un nouveau printemps. Donc, toute équipe Télé Anacaona, Delva Calcio Bomboul, mettez-vous nous ensemble pour nous souhaiter joyeux anniversaire au Cavalier de Léogane, Légu Peterson, Pierre Charles, alias Bateau, et tout l'autre ami fanatique Tizéboul Djokanel, cap fêté un nouveau printemps. Qui de nous profiter saluer équipe Natil Construction hein, qui toujours branché Tati Visport, monsieur et madame Alcé, nous saluons également Base Stand de Babea 55 Dixie Highway et puis gros salutations à staff PPD Cleaning là sur 7e avenue notre Miami qui toujours branché télé Anacaona. Sous ta même gagner plus d'informations sur tout ça qui domine actualité là dans affaires sport. Ou pas l'autre choix. Rete branché, télé, Anacaona.